Salut tout le monde. Alors vous le savez, quand je dis que nous on adore la randonnée, et ce week-end on a décidé de venir se promener dans les vallées de la Mayenne. Ça a l'air plutôt sympa, donc nous voici arrivés à Sainte-Suzanne-lès-Coëvron, une petite cité de caractère. Oui, et puis un petit village labellisé plus beau village de France, Sainte-Suzanne. De la belle pierre et aussi du beau paysage, regardez. Alors là, on est dans la forêt de la Petite Charny et on vient de rencontrer Benjamin qui propose une activité plutôt sympa, le canicar. On est en train de se promener le long du lac du Getzel et il y a l'air d'avoir pas mal d'activités nautiques. Regardez-moi ce paysage. Et maintenant, petite escale chez Valérie qui nous accueille dans ses chambres d'hôtes au Moulin des Forges. L'occasion pour nous de tester l'accueil des Mayennais classés au top sur TripAdvisor. On continue notre randonnée, nous sommes sur le parcours des Boucles d'Ambert, on arrive à la chapelle du Montaigu et il faut quand même savoir que sur le territoire des Coëvrons, il y a une quarantaine de chemins de randonnée qu'on peut pratiquer à pied, à vélo et même à cheval. Donc là, on est avec Ken, un producteur de yaourt et de fromage de brebis, dans sa charmante bergerie. Et oui, et dans les vallées de la Mayenne, on a beaucoup de producteurs comme Ken, qui nous proposent leurs spécialités locales à déguster, comme les fromages que nous avons sous les yeux.